Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je voulais revenir sur la guerre en Ukraine et ce qui se passe actuellement donc au niveau international, vu que c'est assez tendu. Donc on a vu, comme je vous avais dit, que la télévision russe, donc ils avaient menacé d'attaquer avec le missile Satan 2 éventuellement l'Angleterre, l'Allemagne et la France, enfin, les pays européens, les principaux pays européens. Même si ça reste que des déclarations de journalistes, bon, c'est vrai que ça restait quand même assez inquiétant. Et là, on a actuellement, donc le 9 mai, la prochaine déclaration de Poutine pour la victoire, suite à la victoire de 1945 et la Seconde Guerre mondiale, où il fait souvent un discours tous les ans apparemment. Pour la victoire, pour célébrer la victoire voilà, de la Russie sur les Allemands sur les nazis. Et donc là, il va faire un discours apparemment le 9 mai. Alors normalement, il fait une parade, des choses comme ça, mais là, enfin, le bruit court qu'il devrait peut-être annoncer officiellement la guerre contre l'OTAN, enfin, c'est-à-dire les principaux pays, on va dire, sont ses rivaux, donc on va dire l'Europe et peut-être les États-Unis. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez inquiétant. Donc je voulais revenir sur le sur bah, donc c'est son discours hein, où il a dit aussi que si ça continue, bah, on risque d'aller vraiment à la guerre, en gros, hein, c'est ce qu'il dit, hein, même son premier ministre Sergueï Lavrov là. Enfin, le ministre des Affaires étrangères, le ministre russe, enfin, on voit que ça monte quand même en tension. Alors je voulais revenir sur son thème pour voir un peu comment c'est actuellement donc par rapport à ce discours du 9 mai, voir si il y a un discours assez belliqueux, s'il y a une possibilité éventuellement justement de par rapport à ça, est-ce que peut-être pas qu'il va balancer une bombe aussitôt, hein, c'est pas ça, mais comment ça va se dérouler un peu dans le ciel. Donc on voit que la Lune ce jour-là passera sur son milieu du ciel. Donc là c'est intéressant. Donc là il y a le côté chef d'État là de. Par rapport à l'international, alors c'est le maître de neuf, donc là il risque de faire un discours assez important, peut-être, sans doute. Alors, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de très bons aspects. On voit il y a des carrés donc à Jupiter natal, donc peut-être un excès d'optimisme, enfin un excès d'assurance, on va dire. Mais alors attention aux sanctions, on voit carré Jupiter à maître de 2, entre autres. Il y a le carré nœud lunaire dans le ciel, forcément, et il y a Soleil-Uranus. Donc les réactions là, ils peuvent être assez vives, assez imprévisibles. Alors, ça peut être aussi un discours un peu imprévisible, entre guillemets. Après, Uranus, son maître de 3, donc ça parle de ce qu'il va dire. Donc c'est pour ça que ça en rajoute une couche. Et en plus, il y a l'opposition à Saturne, qui est aussi le maître de 3. Donc là, il peut y avoir beaucoup de frustration, il peut y avoir beaucoup de. Alors, est-ce que c'est un renoncement ou une tentative désespérée ou que sais-je hein? Alors, il n'y a pas Mars, c'est vrai que ce qui peut rassurer, c'est qu'il n'y a pas Mars. Hein. Mars, il est en 4, il n'est pas en carré. Hein. Il est plutôt en bon aspect, on voit. Hein. Il y a un sextile à Jupiter. Donc après, tout dépend aussi comment il vit la chose, parce que si c'est un discours d'assurance, c'est sûr que le Mars il sera plutôt bien inspecté, dans le sens s'il sent qu'il maîtrise, on va dire, le jeu. Et comme c'est un fin diplomate, il est quand même balance, hein, très balance. En général, la balance chercherait devant tout, en général. Hein. C'est vrai qu'après, on peut avoir de mauvaises balances, mais le côté diplomate, le côté rechercher une entente. Après, il peut être plus malin. Hein. On voit qu'il y a Mars qui fait un trigone à son Uranus natal en 9, donc là il peut avoir des actions, on va dire, à l'étranger de manière prévisible, enfin originale aussi, qu'on n'attend pas. Il peut être un peu plus malin, ou alors ça peut être aussi des cyberattaques, ça aussi, hein, du côté de la Russie par exemple. C'est une hypothèse, hein. Je dis pas que c'est absolument ça, hein, forcément, là c'est difficile de comment dire, de tout garantir, c'est vraiment des hypothèses. Et on a donc Saturne. Alors c'est vrai qu'il est mal inspecté. On voit le Saturne. Il fait un carré donc au nœud, Jupiter, et opposé Pluton au milieu du ciel. Et lune noire. Donc là, c'est l'aspect quand même de guerre. Saturne-Pluton, bon, c'est un aspect générationnel. On va dire tous ceux qui sont nés
En cette période-là, vont avoir forcément Saturne opposé Pluton, mais ça peut être aussi une indication de guerre, parce que Saturne-Pluton, c'est un peu l'aspect des guerres, on va dire, surtout la Première, Deuxième Guerre mondiale, on voit souvent il y a des guerres avec Saturne-Pluton. Alors là, bon, là, c'est dans le thème natal d'une personne, donc c'est peut-être un peu différent quand même, mais ça peut être un indicateur quand même qui est assez, peut-être un peu inquiétant, dans le sens que, avec Saturne, il y a beaucoup de blocages, des frustrations, donc ça, il peut y avoir une tentation que Pluton, justement, avec ses lunes noires là, et la lune qui passe du coup pour activer, on va dire, un peu ce grand carré là, une tentative un peu pas d'appuyer sur le bouton, mais ouais, une volonté de destruction là, par exemple, due à une frustration trop puissante par rapport à des conquêtes de territoire, la maison 4, par rapport à la défense de son pays, la 4. Hein, là, ça représente la 4, ça représente la nation, le foyer, la maison, tout ce qui est en rapport avec là où on vit en gros. Donc c'est vrai que là on voit les fortes tensions par rapport à ça, les sanctions, les choses comme ça. Donc du coup il peut être tenté peut-être ce jour-là d'avoir peut-être un discours peut-être un peu martien quoi. Alors c'est vrai que là le Mars, encore une fois, il est plutôt, je le vois pas mal inspecté, mais attention quand même. Voilà. Donc on va essayer de voir après dans d'autres thèmes. Alors je voulais éventuellement voir. Ah bien. Par contre, il y a aussi Uranus, je voulais revenir dessus. Uranus aussi opposé, un peu large, mais il y a encore Vénus qui a l'ascendant et carré donc justement le milieu du ciel hein, avec la Lune là, qui passe. Donc là, c'est pareil, ça peut faire aussi comment dire, un peu des réactions un peu imprévisibles. Surtout que Vénus est maître de 7, Uranus en 7, donc ça parle par rapport aux partenaires, donc aux associés, enfin à tout ce qui est. En face de lui, ça peut être les ennemis déclarés, par exemple. Hein, c'est pas loin de Jupiter, hein, à cause des problèmes économiques, des sanctions économiques, par exemple. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est. Alors il est quand même soutenu par des bons aspects, heureusement il a un sextile Uranus, par exemple. Il peut arriver peut-être à se dépatouiller, à trouver des moyens un peu insolite hein, peut-être pour s'en sortir, voilà, il a peut-être anticipé les choses aussi hein, avec Uranus. Donc bon, on va pas trop après détailler tout parce que c'est un peu complexe. Donc je voulais regarder aussi donc d'autres thèmes. Donc par exemple, on va regarder le thème alors on peut regarder le thème de la Russie par exemple. La Fédération de Russie, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a. Donc, Pluton, pour l'instant, voilà, il est plutôt bien inspecté. Neptune, il fait un carré au Mars natal de la Russie. Donc, après. Alors, les pays, c'est particulier, je trouve, parce que, bon, c'est pas, ça ressort pas forcément toujours donc, par rapport à ce qui se passe, on va dire. Donc c'est un peu particulier, bon je vais quand même essayer d'en parler, mais par exemple Neptune, carré Mars de la Russie, là, il peut y avoir des tentatives d'attaque par les mers, hein, les ports, des choses comme ça, bataille navale, etc. Le Jupiter, bon, il arrive à fin poisson, donc il passe en bélier. D'ailleurs, Vénus est aussi passé en bélier, là, le 2 mai. Alors lui, en revanche, il fait un bon aspect, on va dire, il est plutôt en harmonie. On a toujours le retour de Saturne. Alors le Saturne de la Russie, on voit, hein, comme dans Poutine, il est plutôt mal inspecté. Hein, il est l'opposition à la Lune ce jour-là, forcément. Bon, dans le ciel et carré au Pluton natal. Ouais, donc il n'y a pas vraiment d'aspect autrement. Et voilà. Sinon, je vois pas de choses particulières. Donc là, pour la Russie, bon, c'est, on va dire, ça ressemble un peu au thème de Poutine. Hein, le Mars plutôt bien inspecté, le Saturne plutôt mal inspecté, le Neptune, bon, il est bien inspecté de manière générale, mais il y a un carré à Mars quand même. Puis Jupiter qui passe en Bélier, bah, il fait pas de, il va plutôt être en harmonie ensuite, hein, donc ce sera plutôt positif. Donc je pense pas qu'il y a à s'inquiéter éventuellement par rapport à, donc là, à la Russie. Ensuite, l'Ukraine. Alors je vais peut-être pas tous les faire. Ce qui était intéressant, donc il y avait Biden.
Donc Joe Biden, qu'est-ce qu'il a eu dans son thème? Il a Mars, qui fait aussi de bons aspects, donc un trigone à son Mars en scorpion, ok. Enfin, son amant en scorpion. En revanche, il a Saturne, pareil, qui fait des mauvais aspects. Il y a toujours ce carré donc à son amas, par contre, donc il y a la frustration là. La lune ce jour-là, pareil, pas terrible. Ouais, bon, ça, c'est un peu similaire, hein. Uranus en face de son amas, avec un carré, enfin il y a Saturne et Uranus, donc ouais. Enfin, c'est vrai qu'il y a plus les États-Unis qui peuvent agir aussi, avec Biden, et par des réactions assez... Après, c'est plus dans la communication, mettre 2-3. Saturne en 3 aussi, dans les échanges. Donc, c'est pas évident. Pas évident à savoir. Après, alors il y a toujours le nœud sud hein, sur son amas, scorpion, comme j'avais dit. Et dans le thème des États-Unis. Donc on a toujours le retour de Pluton, hein. Bon, pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'aspect, on va dire, majeur. Alors Saturne est en revanche mal inspecté, et sur la Lune des États-Unis. La Lune émet de 8, alors ça peut parler de crise financière, par exemple, Saturne émet de 2, donc l'émet de la 2-8, hein, l'axe financier est touché. On parle d'une éventuelle crise financière en juin, donc ça pourrait correspondre, hein, parce qu'il est arrivé d'ici... Ah, il y a un rétrograde. Donc il va commencer à, on va commencer à se sentir en fait peut-être les effets, première secousse peut-être. Alors peut-être un premier effondrement, je sais pas. Et il reviendra en fin d'année. Donc ce serait pas impossible qu'en juin, ouais, il se passe quelque chose. Même avant, à partir de maintenant, quoi. De toute façon, on est dans une période très charnière. Hein. Alors le Mars aussi. Alors le Mars ce jour-là, il sera en carré à Mars. Alors on le voit pas, mais il y a un carré à Mars là, qui va se former. Alors Mars natal, et ça par rapport aux États-Unis, bah, c'est quand même un aspect assez belliqueux, voilà. Hein, le 11-12 mai, on voit, il est pratiquement exact. Alors, exact plutôt voilà, le 13. Et ça peut être inquiétant parce que ils ont bien un Mars en 7, les États-Unis, hein, ils sont connus pour faire des guerres un peu avec tous leurs partenaires, là, tous les pays. Hein, et là, donc il y a un carré qui se forme. En plus, qui se rapproche de la conjonction Jupiter-Neptune. Bon, Jupiter, il passe en bélier, mais justement, Jupiter en bélier, qu'est-ce qu'il maîtrise? Mars. Mars est conjoint à Neptune, en poisson, donc bah, ça peut, comme j'ai dit, il peut y avoir des batailles navales, il peut y avoir des actions sous-marines, ou dans les ports, ou autres, hein, même juste de la guerre, entre autres, hein, opposé Neptune en plus. Donc, outre, je pense à éventuellement des catastrophes naturelles, hein, bon, ça peut avoir encore lieu cette année, hein. Neptune va rétrograder, il va revenir encore en opposition, mais l'axe 3-9, les déplacements, hein, comme on sait que Biden, il fournit 33, pour 33 milliards d'armes lourdes à l'Ukraine, donc voilà, ça parle, hein. En fait c'est les États-Unis qui font la guerre, hein. Donc ça c'est quand même assez parlant, je trouve. Donc le Mars en carré là, voilà. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'à l'époque, donc en 2011, donc là j'ai mis la date de 2011, le 23 janvier, c'était le dernier passage de Jupiter en Bélier. Donc il s'est passé pas mal de choses pendant cette année. On avait notamment la révolution arabe, hein, qui avait eu lieu donc au printemps 2011. Il y a eu aussi l'accident nucléaire au Japon de Fukushima, qui avait provoqué un énorme tsunami, on s'en rappelle, hein, avec une catastrophe nucléaire. Et il y avait aussi un début de révolte donc, contre le régime de Bachar al-Assad, hein, donc c'était le début de la guerre qui a eu lieu en Syrie. Voilà, donc il y a eu quand même des événements très forts, hein, au niveau, on va dire, action, guerre, revendication. Voilà, bon, il y a eu plein d'autres choses, hein. Par exemple en Espagne les indignés, l'affaire DSK, l'Afghanistan avec Barack Obama qui retirait le tir des soldats américains par exemple, jusqu'à 2012. Hein.
Voilà, il y a eu énormément de choses qui s'est passé pendant cette année. Je serais pas étonné qu'il y ait à nouveau un peu des choses assez fortes hein, pendant ce transit de Jupiter au Bélier. Donc on voit hein, à l'époque hein, Jupiter était en Bélier et Mars avait rejoint plus Jupiter, hein, la conjonction Mars-Jupiter en Bélier, hein, qui est assez puissante. À peu près à cette époque-là, au mois de mai, hein, c'était au mois de mai, il y a eu Mars-Jupiter en Bélier, on voit, hein, à 22, à peu près 22 degrés du Bélier. Voilà. Donc, ouais, le 1er mai, on pourrait dire. En plus, ça faisait un carré au. Ah non, ça faisait un sextile au Mars des États-Unis. Mais après, bon, il faudrait voir pour les autres pays, je vais pas trop m'étendre dessus, mais c'est vrai que on peut avoir un peu des similitudes hein, par rapport à ces aspects. Alors, au niveau nucléaire, bon, c'est surtout parce qu'il y avait Uranus carré Pluton hein, à l'époque, hein, Uranus en Bélier carré Pluton, accident de Fukushima, donc bon, après, c'est pas que le Mars Jupiter ou le Jupiter en Bélier qui faisait ça, hein, forcément. Hein. Mais voilà, c'est quand même un indice qu'il y a des événements assez forts. Donc à suivre. Et qu'est-ce qu'ils ont d'autre particulièrement? Rien de spécial, je dirais. Donc ouais, alors Vénus en Bélier, forcément. Alors opposé, il sera opposé donc ce jour-là à leur Saturne natale. Bon. Ça fait des frustrations, ça peut être des dialogues avortés. Enfin là, il peut y avoir des. Un peu comme dans Poutine, là, il a ça, il a la frustration qui ressort, des blocages, bref. Ensuite, donc, on peut regarder la France. Donc, ils ont le Mars qui transite à leur ascendant, eux, et il va former un carré donc, à leur Saturne natale. Donc là, il peut y avoir des actions assez dures. En plus, à l'international, Saturne en 9. Donc c'est pas impossible qu'il y ait aussi va-t-en guerre, hein, Macron on a vu là, comme j'avais dit, quelque part il allait en guerre, même si c'est pas c'était pas forcément visible, mais il a envoyé des officiers qui se sont fait buter là-bas, des officiers français. Enfin il y a eu ils sont co-belligérants, on dit la France, donc voilà. Donc on voit bien ils soutiennent l'Ukraine, Zelensky, tout ça, donc là, c'est vrai que ça va encore se durcir hein, dans les jours à venir, parce que avec ce carré Saturne, là, le 12 mai, on voit bien la date au moment où Jupiter passera en Bélier. Hein. On voit que Mars, là, il va faire un carré à leur Saturne natale, et même opposé à Vénus natale. En plus, Vénus est maître de 7, hein, toujours pareil, c'est les partenaires, l'axe 1-7 est touché, tout est à l'ascendant, là. Vénus aussi maître de 2, donc la question d'argent, l'axe de 8 est touché. Il y a toujours le carré Saturne-Uranus en gros, enfin, il est un peu large, mais on est toujours sur Uranus en 2, hein, avec une possible donc, la récession, la crise économique. Donc voilà, c'est tendu, hein, on voit bien, c'est tendu. Donc ouais, je serais pas étonné que ça se durcisse. Surtout quand Mars va arriver donc à la conjonction de Jupiter, alors, ça sera à partir de fin mai, je crois. Voilà, c'est le 29, ouais, 29, 30 mai, voilà. Donc voilà, ça va être très intense. Hein. À mon avis, à cette période fin mai, il peut y avoir une guerre qui prend en intensité. Hein. Mars, la guerre avec Jupiter qui prend de l'ampleur. Alors c'est pas impossible. Hein, c'est pas impossible hein, avec ces aspects-là, malheureusement. Et ah oui, alors j'ai oublié de parler aussi du thème enfin, de l'aspect de la 5e République, là, qui est touché avec le carré d'Uranus, toujours. Donc là, il est en aspect exact, hein, pratiquement. Hein, donc bah, pareil, au 10, 11 mai, hein, voilà. Ça peut être aussi un début de révolte aussi. Alors moi je l'ai peut-être pas tout de suite. Forcément, Uranus avancé va rétrograder. Il refera peut-être une dernière fois
carré, mais là, faut s'attendre de toute façon jusqu'à la fin de l'année, hein, même début d'année prochaine. Ça peut même continuer d'ailleurs par rapport à d'autres aspects, mais moi je voyais par rapport à la révolte là, après les élections. Bon, on a vu quelques échauffourées, mais ça n'a pas pris en ampleur. Mais voilà, à suivre, hein, le carré, c'est Plateland, donc ça va être encore d'actualité, je pense. En tout cas, ça parle d'économie, hein. Il y aura du 102, et puis il y aura des réformes économiques assez difficiles. Donc attention, 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 côté économique, tout. Hein, on parle de la crise économique, la guerre, s'il y a prendre l'ampleur, ça peut être. Là, oui, il y a le certificat biométrique aussi, le certificat numérique européen qui serait peut-être mis en place dès cet été. Hein, aussi, je peux en parler vite fait, hein, surtout alors, bah, cet été, comme par hasard, on voit qu'il y a Uranus qui rejoint le nœud nord. Hein, ça peut parler de ça. Hein, aussi Bill Gates qui nous annonce un nouveau virus beaucoup plus létal, donc sans doute pour la rentrée, hein, pour octobre, à mon avis, avec le retour de Jupiter-Neptune là en poisson, donc à suivre aussi. Alors, je vais mettre le thème de l'Allemagne. Comme l'Allemagne était visée par éventuellement une attaque, comment on peut voir ça? Alors j'ai pas l'heure exacte, hein, 3 octobre 90 date de la réunification de l'Allemagne. Donc, alors ils ont Uranus posé Pluton, ça par contre ça peut être inquiétant. Hein, ça peut être le nucléaire, ça, hein, uranium, plutonium. Mais au natal, heureusement, ils l'ont. Alors, il y a un sextile un peu large. J'aurais pu dire un sextile, non, ben non. Donc, faire attention, là, l'Allemagne, peut-être qu'ils seraient plus touchés, peut-être que d'autres pays. C'est vrai qu'ils ont été aussi assez incisifs par rapport à la Russie. Ils ont Neptune sur leur lune, mais bon, a priori, plutôt des bons aspects. Donc ça protège, on va dire. Jupiter en bélier, il fera un spécial. Non, il y aura un carré Uranus après. Ouais, on a clairement en Capricorne là, donc. Avec Vénus déjà, ouais. Donc, ouais, l'Allemagne peut-être. Un certain risque à avoir, pareil le Saturne est plutôt mal inspecté dans le ciel forcément, parce qu'au natal ils ont juste les carreaux lunes noires. Bon. Et donc l'Angleterre, je vais mettre le Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni, j'ai que l'acte de l'Union 1800, donc ça c'est vieux. C'est pareil, j'ai pas les maisons, j'ai pas l'heure. Donc ça c'est général. Alors eux, ils ont carrément l'opposition de Saturne, alors Saturne natal, donc là, il peut y avoir beaucoup de restrictions. Là. Alors est-ce qu'il n'y a pas des privations? Alors est-ce que ça peut être le Brexit? Mais après, le Brexit, ça se passe plutôt bien, on est content. Mais s'il y a des sanctions, est-ce que par rapport je sais pas moi, aux matières premières, à l'inflation, aux crises, à l'embargo russe, il y en a un, voilà, ils peuvent être privés de peut-être pas mal de choses. Donc là, ça peut être intéressant de souligner ça. Pluton, ça, a priori, ça a l'air d'aller. Neptune aussi. Alors Uranus, il est opposé à leur Neptune. Donc forcément le carré Saturne natal est un peu large, mais on peut le prendre aussi, hein, ça risque d'être. Donc ouais, ça forme presque un grand T carré, hein, si on prend en compte en disant c'est large. Parce que là c'est un peu large avec Uranus là qui est. Enfin les Saturnes qui sont à plus de 20 degrés et Uranus-Neptune à 15-18. Là il y a 5 degrés d'écart. Bon, ouais, on peut le prendre. On peut encore le prendre, avec Uranus un peu moins, mais ouais. Ouais, ça peut pour l'Angleterre, ça peut être tendu aussi. Hein, donc attention, en plus il y a Mars pas loin. Qu'est-ce qu'il fait en Mars natal en particulier? Et le Mars transit, il est plutôt bien. Il y a un trigone Neptune, donc ça devrait aller. Bon, enfin après, je sais pas trop. Le problème des pays, c'est que c'est particulier, on ne s'en sort pas forcément. Après, il y aura le passage par contre du nœud sud sur leur Neptune. D'ici l'été, et j'ai vu pareil pour l'Europe. Alors, j'avais vite fait l'Europe, on en avait parlé. De regarder l'Europe, j'en avais déjà parlé, mais j'avais vite fait le thème de l'Union européenne.
L'Union européenne, donc traité de Maastricht, 92, pareil, j'ai pas l'heure exacte, donc on a le nœud sud sur Pluton, hein. Donc c'est pareil, là il y a une réforme, peut-être de la constitution de l'Union européenne qu'on dit qu'elle voit disparaître, et là, avec le passage de Pluton, ça m'étonnerait pas. Le Pluton transite, lui, bon, il y a un sextile Lune, il y a Neptune qui passe dessus. Le Saturne, alors Saturne, pareil, carré Pluton, alors, ça peut faire la guerre aussi, ça. Heureusement qu'il y a Jupiter-Neptune, je dirais, qui protège un peu quand même. Chaque fois, il y a Neptune plutôt bien inspecté, on va dire. Donc, je pense pas qu'il y aurait une guerre totale tout de suite, enfin, en tout cas, pas maintenant. Mais attention, par des sanctions. Alors, moi, je vais plutôt encore des sanctions économiques. Mais ou alors des privations, matières premières, énergie, etc. Voilà, donc ouais, pas simple tout ça, pas simple, pas facile. Donc voilà ce que je peux dire. Alors bon, on verra hein, ce qui se dira le 9 mai. Je suis pas étonné que Poutine peut-être annoncer quelque chose. Mais sinon, à part ça, ça va peut-être pas changer grand-chose. Je pense pas qu'on va arriver tout de suite à des guerres avec des bombes. J'espère pas, en tout cas. Les Mars, en général, sont plutôt pas trop mal inspectés, on va dire, de manière générale. Donc, ça rassure. Mais on voit plus des sanctions. On voit plus des côtés Saturne, Pluton. Alors, Saturne, Pluton, c'est vrai que c'est jamais bon, parce que ça peut être des déclarations de guerre, dans le sens que c'est une guerre, hein, une troisième guerre mondiale, mais peut-être qu'il se fait progressivement, c'est-à-dire qu'il reste latent. Avant une explosion, alors Mars, ça sera le détonateur. Peut-être qu'il passera sur ces points. Hein, on reviendra dessus. Ça sera quand il fera des carrés, par exemple, beaucoup plus tard. Mais déjà, l'aspect de Mars qui va passer en Bélier. Enfin, déjà, il y a Vénus déjà. Et donc on va vraiment vers des planètes en Bélier. Hein. Déjà, on a Vénus. Ensuite, on va avoir Jupiter. Hein, là, dès le 11 mai. Et ensuite, il y a Mars qui arrive. Donc fin mai. Non, j'allais trop loin. Qui arrive, voilà, le 25, et il va rejoindre Jupiter le 29. Donc, oui, donc le mois de mai va être assez intense, je pense, jusqu'à la fin mai, là, ça risque d'être assez intense. Donc, oui, c'est possible qu'il peut y avoir des attaques, hein. Après, pas forcément des bombes, mais des attaques. Déclaration de guerre, on sera dans un, quand même, un côté assez martien. On quitte un peu les planètes en poisson là. Il restera Neptune, hein, donc bon, on va voir ça. Même si les aspects, bon, restent assez plus ou moins, on va dire, pas trop alarmistes. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Bon bah sur ce, je vais vous laisser. Donc on voit que l'Union européenne, voilà, c'est quand même le bras armé de l'OTAN, enfin c'est voilà, c'est l'OTAN, c'est von der Leyen là, qui dirige tout. Bon, c'est sûr qu'ils mettent de l'huile sur le feu, on sait bien, avec les États-Unis. Ils veulent pas la paix, hein, notre cher président national. Voilà. Bon bah à suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, au revoir.